Bon, bah ça va, tranquille alors. C'est parfait, c'est parfait. Vous allez vous partager 10 steaks, ça vous va? Ouais, ça va, mais bon. Vous approchez pas trop du. Mais ah, mais lui aussi, mais toi aussi, tu veux mourir aussi, Froya. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. De retour avec Mathurinese. Bon, normalement, on joue le soir, mais là, c'est la journée. T'as remarqué ou pas? Il y a du soleil. Pourquoi? Parce que la Terre est ronde, Froya. Réfléchis un petit peu. Là, on va être avec Tobias. Petite session d'après-midi. On va faire de la chasse. Je vais vous montrer des trucs sympathiques. Et il faut aussi que je travaille. Parce qu'il y a Louisiana News, ça te rappelle? J'avais des missions et tout. Roya. Puis surtout, on va essayer de foutre la merde. Ça, j'aime bien ça. Ça, c'est un bon programme. Bon, déjà, Roya, j'ai changé de look. T'as vu ou pas? Ah ouais, Roya. Bah, je suis un vrai survivaliste, Roya. Allô? Oh. Allô? Allô? Ouais. Ouais, allô, ça va? Ouais, ça. Ça va, toi? Ouais, t'es où, Roya? Là, bah, comme d'habitude, à la poubelle, hein, tranquille. Ok, t'es vers quelle poubelle à peu près? La décide. Tu m'envoies une pause, j'arrive. Vas-y, ça marche. Vas-y, à tout de suite, Roya, vas-y. Vas-y, à tout de suite, Attention, t'es... Alors, comment ça se passe dans la poubelle? Alors, là, je travaille, là, je contrôle la zone, ça veut dire, tu vois, je suis dans le bain, donc dans la poubelle. Tu donc contrôles là, la zone dans la poubelle, et ça va, mais il y a du trafic ou pas? Ouais. Là, je recycle, en fait, donc il y a beaucoup de trafic, donc voilà, ok. Et, voilà. Super, ok. Moi, je voulais te poser une question, tu sais, par rapport à Nuggets, le mec qui nous a embauché la dernière fois. Nuggets? Ouais, Squall Nuggets, le mec de Weasel. Squall Nuggets, oui. Ouais. Ah oui, ben il oui. Avait dit fallait qu'on fasse des trucs. Oui, il fallait qu'on trouve des informations. Alors, écoute. Voilà. J'ai trouvé des informations de malade. Ça, j'aime bien les nouvelles comme ça, c'est brusqué, ça me dit. Les ballasts sont violés, Roya. Ah oui, c'est bien. Roya, c'est pas fini. Et les vagos, dis-moi. Ils sont jaunes, Roya. Ben non. Oh la dinguerie. Ils sont jaunes. Ils sont jaunes. Ça n'a pas d'autre appli. Ils sont jaunes poulets, Roya. On va essayer de prendre un maximum de photos. Tu sais, il nous a demandé quoi? Des informations sur la police, le capitaine. Ouais. Capitaine, il couche avec quel mec? Ou bien s'il a des femmes, ou s'il a des hamsters, ou là. En fait, on va essayer de prendre en photo le maximum de Warzone, de lieux sensibles. Bah, tu sais ce qu'on va faire, Tobias? Tu vas monter avec moi et on va aller au Weasel, on va s'équiper avec des caméras, avec des appareils photo, avec des drones. J'ai vu qu'il y avait des drones. Ouais, je peux t'aller dire des caras. Roya! Il y a même des gilets pare-balles, Roya. Weasel. Oui, Weasel, tu vas voir, on va y aller. Roya, tu sais que ça fait 4 jours que je mange que de la viande de biche. Bien sûr, voilà, t'es un... Comment t'appelles ça? Un survivaliste. Un survivaliste. Non, un survivaliste. Tu parles pas bien la France, Roya, ou comment ça se passe? Attends, je monte sur le pont, là. T'es en haut du pont? Ouais, attends, là, je redescends du pont, là. Oh, le virage! Oh non, tranquille, ça va. La Bertie, et Bertie sécurité. Gauche. J'en ai rien à foutre. Là, c'est à gauche. La gauche. Non, derrière. Derrière? Je t'ai vu. Là, c'est là. Là, c'est moi. J'arrive, Roya! Merde. Mais pourquoi tu es agressif? Roya, je boite. Attends. J'arrive même pas à sauter, Roya, j'ai plus de jambes. Ça va quoi, Roya? Ça va bien, Trink? Bah oui, je fais des pompes, j'en ai rien à foutre. Ouais. Voilà, biscotto, tu n'as pas les biscotto. Ah, mais pourquoi t'es bien comme Jack Sparrow là? Roya, ça c'est un nouveau style, Roya. C'est un nouveau style. Ça c'est. T'aimes bien ou pas? C'est pas mal en vrai, ça fait un petit style. Attends, c'est pas fini, Roya. Ah, c'est pas fini, vas-y. Attention! Ah oui, là, c'est le popo sur la carotte. C'est ce qu'on va faire d'abord. On va d'abord faire la mission Zama. Comment on peut l'appeler d'ailleurs? Incognito Chamalo Bokremosh. Vas-y, Roya. Vas-y, conduis, Roya. Je te fais confiance. Tu conduis. Vas-y, ça marche. Non. Je vais te fumer, je vais te buter et je vais te manger, Roya. Ah, je me noie.
Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Royal, la moto ! Astaghfirullah. Oh merde. Moi, j'ai une voiture, heureusement, viens. Je te rembourserai demain. demain. Royal, tu sais que j'ai un objectif dans la vie, hein. C'est quoi ton objectif ? C'est de m'acheter un bunker, tu te rappelles ? Contrôler Los Santos ? Ben oui, c'est ça, mais attends, je vais t'expliquer un truc. Tu te rappelles de mon oncle, Pablito Janez ? Ah, celui qui est mort, Mskine. Ouais, rest in peace. Il est mort, Mskine. Du coup, non, Roya, non, c'est pas grave, t'inquiète oui, pas. Tu m'avais... Non, mais t'inquiète pas. Dit, mais là, ça me revient. Tiens, réveille-toi, là. Ouf, ouf, la vache. Ouf, ça réveille, oui, c'est bon, j'avale les larmes. C'est bon, t'es plus triste. D'accord. Non, c'est bon, c'est plus triste. Bon, il est mort, tu te rappelles. Il m'a laissé un petit peu d'argent. Mais l'argent, là, tu vois, je vais pas le dépenser n'importe comment. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Je vais acheter le Burger Shot. Tu vas? Je vais acheter les Burger Shot. Oui, mais du coup, c'est Wizard News, c'est Burger Shot. Ou les deux? Non, Wizard News, Roya, c'était juste pour revenir dans la vie tranquillement, tu vois. Pour moi aussi, parce que les photos qu'on va prendre, Roya, c'est pour moi aussi, pour savoir qui contrôle quoi et surtout, qu'est-ce que je vais pas contrôler moi. J'ai capté. Tu vois ce que je veux dire? Je vais ouvrir un restaurant, Roya, mais tu sais, je vais faire des économies. Au lieu d'acheter de la viande, vu que je suis un survivaliste, je vais moi-même la chasser, Roya. Tiens, je vais te montrer un échantillon, Roya. Ah, vas-y, montre. Tiens, ça, c'est un échantillon, Roya. C'est avec lui que je vais faire des burgers, Roya. Mais il y a plein de trucs, hein. Il y a des sangliers. Ouais, ça se mange. Il y a des khenzir. T'as des bouts de bois ou pas? Des bouts de bois? Je te fais un feu. T'as des morceaux de bois ou je te fais un feu? Non, désolé, mais t'inquiète, je peux allumer avec ça. C'est un truc que j'ai trouvé là-bas, dans la poubelle. C'était un truc. Ça, t'as trouvé ça dans la poubelle, ça? Oui. Bah, en gros, regarde, en fait, quand tu fais. T'as du feu, toi? Mais il faut des morceaux de bois. Bon, c'est pas grave, viens, on va récupérer une voiture. On va récupérer une voiture, c'est où? Vas-y, viens. C'est vers où? C'est là-bas, il y a un parking, viens. Mais qu'est-ce que tu fous là-bas, toi? T'es. Oh là là! Mais en fait, c'est ici que la drogue, elle vient. Hein? Non, voilà, je voulais dire ça comme ça, ça faisait armeur. Ah ouais, j'avoue, ça donne un certain style, j'avoue. Ça fait stylé. Quand t'étais parti, je me suis fait un ami, il s'appelle MF. Ouais? Et donc, lui, il fait des vidéos sur YouTube. Oh, il a l'air grave super, grave gentil, grave intelligent ce mec. Ah oui? Ça se voit, c'est un mec rien. Donc je te dis MF YouTube, grave gentil. Ouais. Oui, parce que je connais des youtubeurs et tout, ils sont grave gentils. Puis Amaf, ça fait. Amaf, tu peux pas être méchant quand il t'appelle Amaf, ça, c'est pas possible. Bah, c'est vrai. Non, il est gentil, c'est vrai. Mais il est bizarre, mais il est gentil. Pourquoi il est bizarre? Pourquoi il est bizarre? T'inquiète. T'es amoureux? Il t'a trompé. Voilà, c'est vrai. De 1 déjà pour que. Attends, la route elle est. Roule à droite. Tu crois la route elle a ton père ou quoi? Oh là là. Roule à droite. Bagarre. Bon courage. Mais ta mère, toi. C'est bon. Là. Mais quand je te dis, tu descends. Grosse coupe. Grosse patate dans ta gueule. Ouais, non. Attends, il va se relever. Non, c'est bon. Vas-y, viens. Ah non, voilà, c'est bon. Pinaise, ça va. Salut. Yo. Non, mais après, pense. Salut, ça va? Ça va bien, vous? Ça va, ouais, tranquille. Ça va, tranquille. Alors, tu fais quoi ici, toi? Tu cherches de la drogue, toi aussi? Ouais, voilà, c'est ça. Non, moi, je suis le PDG du Poustou. Quoi? C'est un PDG, un bandeur de gazis, on appelle ça. T'es un PDG, toi? Ouais, je suis un PDG, ouais. Non, il est où ton costume? Si, c'est pas possible. Je te jure. Bah si, je te jure. Roya, t'as une chaîne en or, tu peux pas être PDG quand même. T'as une chaîne en or, t'as une chaîne en or. T'as déjà vu Bill Gates, Roya, avec une chaîne en or, s'il te plaît? Non, c'est même pas une chaîne en or, c'est une chaîne de l'argent, là. Ah, c'est de l'argent en plus. Aussi. Ah ouais, ah ouais. T'es PDG de quoi, là? Des Poustoupes. C'est quoi, ça? Et c'est les entreprises de livraison, là, tu conduis le camion et tout. Espèce de bâtard, ça fait 4 jours, j'attends un colis, à chaque fois ils me disent il est pas là, il est passé. Eh ben non, justement, ça va. Eh moi aussi, c'est vrai en plus. Eh oui, mais les gars, c'est là où vous faites les amalgames. Parce qu'en fait, les Poustoupes, ce n'est pas les livraisons des particuliers, nous c'est des vraies entreprises. Vous là, ce que vous attendez, c'est les gros postales. Les gros postales, ils sont dans le nord, c'est des. Ah ouais, ils sont pas bons. Non, ils sont dégueulasses, Ado, je les aime pas. Ah ouais, mais moi aussi. Attendez, ma PS 82 là, ils sont toujours arrivés. Il est en train de sniffer le pot ou quoi, le con là? Oh monsieur! Là, il est en train de manger. T'es en train de sniffer le pot, je suis en train de rêver là. Ouais, c'est grave, les gens, c'est grave. Et tu t'appelles comment, monsieur? Et moi, c'est Kai. Kai? Ouais, Kai, c'est moi. Tu viens d'où? Et t'es à Hawaï, Honolulu, tu connais? Honolulu? Oh, j'adore. Tu sais que je suis déjà parti à Honolulu? Arrête, non. Je te jure, je suis déjà parti à Honolulu.
et je pouvais pas me baigner parce qu'il y avait des méduses. Des méduses, ah ouais, non, ouais. Le souci c'est plutôt les requins, mais tu as dû aller du côté de la baie de Tampala, parce que là-bas, ouais, il y a beaucoup de méduses. Je sais pas quelle baie, Roya, mais en tout cas, c'était une belle baie. Hein. Ah, c'est bon, il a ramené sa voiture. Bah, je vous laisse, monsieur. A bientôt, au revoir. Nickel. Au revoir. J'arrive tout de suite, les gars, deux secondes. Au revoir, monsieur Nelly. Au revoir. Au revoir. Tain, il est bien ton véhicule. Oui, oui, oui. Alors, hop, c'est parti pour Louiselle. C'est pas ma voiture, mais ça fera l'affaire. Alors, du coup, Louiselle. Comment ça? C'est à ton ami? C'est à ton copain? Oui, voilà, oui, oui, voilà, c'est ça. C'est ton copain, bah vas-y. Et il s'appelle comment ton copain? Un nom qui. Voiture, oui, de Congolais, voiture. Voiture? Valide de Séoul. C'est là-bas, il y a des Chinois qui font des sacoches Gucci. Voilà. Ah, ouais, c'est vrai! C'est vrai, t'en achètes là-bas, toi? Et ça cause Gucci? Ouais. Oui. C'est voilà, pas de... c'est pas mal, ce qualité, ils ont dit. T'as une meuf, t'as une meuf ou pas? T'as une meuf? Karendé. Tu peux présenter? Hein? Tu présentes ou pas? Elle s'appelle comment? Demain. Elle s'appelle comment? Ben, ça... Elle mesure combien à peu près? Fais-toi. Et ses yeux, ils sont de quelle couleur à peu près? Elle a une jolie bouche ou pas? Genre, oui. À vous, elle a plus des pieds quand même un peu, non? Un peu. Et genre, vous êtes rencontrés combien? Sur Tinder. Vous étiez deux? Non. Ouais, c'est fou quand même, hein. Bah franchement, ça fait grave plaisir, Roya. Mais non, tu modifies, là. Ah non, j'ai rien modifié du tout, Roya. Ah si? Ah, voilà, c'est bon. On est arrivé. Super. Coup, merci, Roya. Arrête. Oh, ah. Bien joué. Voilà. T'as vu, créneau. Comment t'as géré, Roya? Attends, j'enlève mon casque des merdes, là. Voilà. Oh, putain, mon masque à gaz, Roya. Oh, la vache. C'est quoi, t'as... Ah oui, le masque, c'est vrai. C'est bon. Vas-y, je mets aussi pour pas te contaminer. Attends, déjà viens, on prend une photo. Comme ça, on montre bien qu'on est au travail, monsieur Nuggets. Voilà. Parfait, c'est bon, j'ai envoyé, Roya. Salut les collègues, ça va ou quoi? Alors, bah oui, je vais prendre mon service. Tu crois que je vais en prendre quoi? Il est con celui-là. Prends les drones, toi. Et moi, je prends l'appareil photo, d'accord? Vas-y. Comme ça, on prend des photos. Oh. Bien, là. Non, pas ici, Roya. Non? Oh, non, faut pas ici. Ah! Oh merde! Oh merde! Ah oui, il est agressif le drone, ça c'est un fantôme ça. Ah, oh! Aïe! Ah, au secours! Stop! Éteins! Oh merde, j'ai niqué le drone. Roya, j'ai appelé l'ambulance, il arrive. Ah! Mathieu, ça va? Je suis mort des fois. Merde. Roya, il y a l'ambulance qui arrive. Tranquille alors. Ouais, faut que tu sortes, Roya, sinon il va jamais trouver. Ah bah vas-y, t'as raison. Il casse les couilles. Les médecins. Ah. Putain. Mais monsieur, enfin, vous avez repeint ma pièce là. Ça a l'air compliqué la vie là. Ça pique. Ah, ça pique. Ouais, bah, j'ai peut-être une compresse. Vas-y, occupe-toi, William. Il a eu une hémorragie, je crois, interne. Hémorragie interne? Il s'est passé quoi? Il a pris un choc? Je sais plus, il a avalé sa langue, je crois, je sais plus. En fait, on a entendu un gros brrrr et brrrr. Ça va déjà, il respire. Mais Tobias, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, j'ai entendu un brrrr et brrrr, en fait. Après, hop là, il est tombé. Comme ça. Et il est tombé comme ça, il n'y a rien eu. En fait, il n'est pas tombé, il est pas tombé comme ça, mais il est plutôt tombé comme... Tentative de meurtre, tentative de meurtre. Non, Tobias. Ah bon? Non, quoi, faut vraiment pas. Ah, c'est mon collègue de travail qui m'a dit de prendre. Ah non, faut surtout pas. C'est très dangereux ce drone. C'est un drone que l'armée chinoise nous a passé et a priori c'est une mauvaise idée. Hop là, doucement. Par contre, Tobias, s'il vous plaît, mettez un pantalon et des chaussures, s'il vous plaît. Ah ouais? Oui, s'il vous plaît. Tu travailles obligé. Et c'est passé quoi? Hop là. Je sais pas, il s'est passé quoi, messieurs? Pas très clair, on va dire, on essaie de comprendre. C'est pas moi, j'étais dans mon bureau, ils ont entendu une explosion. Qu'est-ce que vous avez vu, monsieur, vous? Il y a eu une explosion. Moi, ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu mon collègue, il a fait comme ça, en fait. Il est comme ça, en fait. Ouais, je suis tombé dans les pommes d'amour. Je suis tombé dans les pommes. C'est comme si, on avait débranché la prise. Je suis tombé comme ça, d'un coup. Voilà, comme ça. Ça doit être un malaise. En fait. Ouais, je fais des crises d'angoisse en ce moment, apparemment je suis hyper con, c'est pour des ça. Des crises de quoi? Ça existe pas, hyper con. Je pense que c'est un drone. Hein. Si, hyperchondriaque, ça existe. Ah, hyperchondriaque, oui. Oui. Ok, d'accord. Vous avez un traitement pour ça? Oui, je prends des traitements, ouais. Vous l'avez bien pris, là? Non, j'ai oublié.
Ah ben monsieur, faut le prendre, hein. Bah faut ouais, je sais, mais je viens de me réveiller, j'étais un peu perturbé, et puis voilà quoi, c'est arrivé quoi. C'est le stress du boulot, à mon avis, je travaille trop. Travaillez dans quoi ? Demandez des jours de repos, hein, si vous sentez mal, hein. Ouais, mais ça fait 2 ans que je suis au chômage quand même. Ah, effectivement. Bah ouais, en fait, le travail, ça m'angoisse, et le non-travail, ça m'angoisse aussi, les deux. Et vous avez eu un traitement ou pas pour cette angoisse ? Et oui, si oui. Ça vous affecte autant, normalement. Dernièrement, je suis allé voir un spécialiste, je suis allé voir un vétérinaire. Ah non, monsieur, ça c'est pour les animaux. C'est pour les animaux, ça. Je vous conseille de prendre rendez-vous avec la psychiatre de l'hôpital. Elle s'appelle vous donnera un traitement. J'ai pas son nom, attendez, je regarde. C'est sûr, elle a un nom de folle, elle. Pourquoi les préjugés comme ça, monsieur ? Non, c'est pas un préjugé, c'est un diagnostic. C'est une affirmation collective. Il est médecin. Vous êtes médecin, c'est ça en fait. Ça se voit. Bon, c'est vrai, quand j'étais petit, je jouais un petit peu à Docteur Maboul, c'est vrai. Tout s'explique. Bah oui. Chaque fois, je perdais. Vous voulez que je vous inscrive pour un rendez-vous ou pas Ah oui, carrément, il faut s'inscrire. C'est comme Koh-Lanta ou comment ça se passe Bah, c'est pour être. Alors, vous serez du coup recontacté par la psychiatre qui, du coup, prendra un rendez-vous avec vous. Bah, vas-y, super. Alors, on fait comme ça. J'aurais besoin de votre nom et prénom, s'il vous plaît. Après, c'est Rennes. Mathieu, Rennes. Mathieu, c'est le prénom. Bah, Mathieu comme Mathieu, quoi. Oui. Et Rennes, bah comme Rennes, quoi, à peu près. Appelez-le moi quand même le nom, s'il vous plaît. K-H. Ça fait Rennes. A. N. R. N. N. Niaise. M. C'est quoi C'est M. Le S. C'est un N. Comme le nez. C'est comme Rennes. Rennes. Le N. Mais avec un A, ouais, ok. N comme Ninifar. Et toi, tu t'appelles comment? C'est Wynonna. Un numéro de téléphone. Wynonna? Si vous avez. Alors, attends, 2 minutes, mon numéro de téléphone. Madame Wynonna! Madame, est-ce que vous pouvez m'inscrire aussi pour le prochain Ramadan, s'il vous plaît? Voilà, j'aimerais m'inscrire, on m'a dit que c'était pour les lequel quoi le prochain Ramadan. Non, pour le prochain Ramadan, il faut passer la whitelist et ce sera dans 2 semaines, je pense. Je suis pas sûr que c'est whitelist pour le Ramadan. Ah oui. Il faut déposer la candidature et tout, ouais. Il faut contacter le staff Chalgoumi pour le prochain Ramadan, Inch'Allah. Staff Chalgoumi, d'accord. C'est quelqu'un qui compte ça. Très bien. Et madame, vous êtes. Je suis stressé aussi. Moi, c'est Iris. Salut Iris, tu fais quoi dans la vie? Pas rien. Rien, c'est bien. Là, en stage d'observation. Je suis menacé de mort tous les jours. Du coup. Tu sais un peu partout. Pourquoi t'es menacé de mort? Qu'est-ce que t'as fait? Parce qu'en fait, j'ai soi-disant volé des armes. Oh, c'est pas vrai. T'as volé des armes? Bah, c'est pas vrai. T'as se voit que tu voles des armes, toi? Non. Bah, tu vois, ton nom, il était pas. Il était pas définitif. Voleuse. Bah, bon courage, messieurs, dames, et merci de votre temps et de votre professionnalisme. Bon courage à vous. Pas de soucis. Oui, bon courage. Merci. Au revoir, madame Renouna. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Allô. Au revoir, madame. Alors, je vais déposer le drôle. Eh, Tobias. Ouais. Ouais. C'était un mec ou c'était une meuf? Les meufs. Qui ça? Iris. Ouais. C'est un hérisson. C'est un bi. En fait. C'est un bi. Il est bi quoi? Il est hérisson, il est X. Il est bidirectionnel, je crois. C'est un rond-point, je crois. Vas-y, Roya. Il est hypochondriaque. Roya. Ouais. Prends le drone, vas-y, t'inquiète. Ah ouais? Ouais, t'inquiète. Et j'ai peur de l'autre. Le biker? Pfff, ils m'ont pas les steaks du biker. De toute façon, on le connaît pas le biker. Vas-y, prends ce que tu veux. Fais-moi tes plus belles photos, Royan, fais-moi tes plus belles photos. Voilà, Attends, pour Instagram, dernière, celle-là, j'aime bien, ça fait stylé. Ça fait un regard pervers un peu comme ça. Un regard perdu, ouais. Attends, j'arrive, Royan. Attends, bouge pas, Royan. Vas-y, pour Instagram. Vas-y. Voilà. Vas-y, comment t'es sexy, Roya? Comment t'es sexy? On rentre du boulot. Ok. Boulot. On rentre du boulot. Ok. Le van bleu, le van noir ou le van blanc? Roya, on n'est pas raciste. On n'est pas raciste, Roya. On n'est pas raciste, on prend le van noir. Voilà, vas-y. On va prendre en photo le commissariat. D'accord. On va prendre en photo la police et on va essayer de poser des questions à des policiers par rapport à toutes les activités suspectes et illégales en ville. Regarde la voiture à gauche, regarde, c'est des malades. Ils ont fait des accidents de malades, regarde. Ah bah c'est la police, ça, non? C'est une moto de police. Oh, attends, je vais prendre en photo. Un accident, prend. La police a percuté la voiture. Vas-y. Hop, ça c'est bon, ça, j'ai pris l'appareil. Quel? Ouais, je suis en train d'inventer des fake news, là. Eh, tu... Oh, la voiture, elle repart. Heureusement, j'ai pris en photo, Roya, t'inquiète, on a les preuves. C'est bon, on a les preuves, Roya. Et ça, Roya, c'est un gros scoop, hein. Alors là, mon pote, les flics qui laissent traîner leur véhicule, les civils en perdition, alors là, mon pote, ils sont dans la merde. C'est nickel, ils sont foutus, là. Alors, le commissariat, c'est celui-là, je me rappelle.
Ouais, c'est là, c'est à gauche. Vas-y. Tiens. D'un police en civil. C'est bon, les agriers, croyant, ils sont civils, on les agriers. Ouais, c'est sûr. Bonjour, messieurs. Bonjour, la police. Enfin, le monsieur. Bon, vous êtes reconnus, hein, vous êtes des policiers en civil, hein, c'est bon, pas besoin de jouer double jeu avec nous. Hein. Ouais, moi ah c'est, bon, comment il s'appelle, on est les bad boys, moi je suis le gars de gauche, lui c'est le gars de droite. Ah, j'étais sûr. Ça fait combien de temps que vous travaillez dans la police? Eh ben écoutez... T'as la caméra, t'en gars, t'as la caméra ou pas? Ouais. Vas-y, sur la caméra. Non. Comme on dit, since 1980. D'accord, ok, alors attendez, permettez-moi de prendre vite fait quelques photos pour le reportage. Voilà, donc monsieur bad boy, c'est lui. Et vous êtes, ouais, monsieur? C'est bon boy. Monsieur? Lui, ah, c'est monsieur propre. C'est qui? Monsieur propre. Monsieur propre, ok, super. Et vous travaillez dans quelle brigade un petit peu près, un peu près quoi, de la police? Vous faites et quoi? Alors, ça filme. Nous arrêtons les délinquants juvéniles, c'est-à-dire tous les enfants qui vont jouer par exemple avec les jouets dans la rue ou qui vont manger trop de sucreries. Ok, super, d'accord. Non, et... Parlez devant la caméra, s'il vous plaît. Voilà, bonjour, je suis devant la caméra. Voilà, nickel. Vas-y, continue, Mathieu. Eh bien, écoutez, nous sommes la brigade juvénile enfantine. Vas-y. Et donc, moi, je suis le bad boy. Là, moi, à gauche, d'accord, c'est le propre. Et du coup, on arrête les enfants qui ne travaillent pas bien et à l'école et qui mangent trop de sucreries. Qui mangent trop de sucre. Surtout ceux qui mangent beaucoup de sucre. Mais du coup, vous êtes en train de niquer le business un petit peu de tous les dentistes, quoi, qui est en ville, quoi. Voilà, c'est bien ça. Voilà. Parce que comme ça, d'accord, après, donc vous niquez le business. C'est pas super, d'accord. Et entre nous, monsieur bad boy. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de toutes les activités illicites et illégales en ville ou c'est compromettant pour vous? Bien évidemment. Une fois, il y en a un, il est venu dans mon dépôt du Poustoupe et ils ont volé des cartons de la, comment on appelle ça, les boissons. Attendez, mais ça, je comprends pas. Vous travaillez au Poustoupe ou vous êtes policier? Ah, là, mais c'est lui qu'on a vu tout à l'heure. Quoi? C'est lui! Mais c'est non, argent et ça mais non, il était pas habillé comme ça, le mec, tout à l'heure. L'autre tout à l'heure, il était beau gosse des fous. Vous étiez les hommes qui étaient dans les dépôts Poustoupe? Non. Non, je crois pas. Hein. Je crois pas, non. Je pense vous pas. Êtes sûr? Non, moi non plus. Environ, quoi, à peu près, quoi. Mais. Je suis pas non plus sûr à 100%, mais. Mais trace l'écu de latéralité comme ça, après tu pourras bien savoir l'angle, s'il est droit ou pas. Hein? Deux. Non, bon, attends, du coup, on disait. 4. 8. And 5. Chips. Ah merde, bâtard. J'aime bien. Pose un joker, 10. Je suis en série. D'accord, la blackjack, mon pote. 22, je me couche. Bah, je du coup, là, on va vous laisser prendre votre service. Nous, on va aller prendre des photos compromettantes pour mettre les policiers dans la merde. Dites-moi, enfin, Ouais, bien sûr, dites-moi, messieurs, parce que vous avez l'impression quand même d'être des gens très serviables de la ville. Est-ce que vous n'aurez pas croisé un cracra gris avec des blindes blanches, s'il vous plaît? Un cracra? Un cracra, oui. Ah, des gens crados, j'en croise tous les jours. Non, c'est un gros véhicule motorisé, 4 roues moto. Ah si, devant Louisel. Ah, devant Louisel, merci. Devant Louisel. Ouais. Pourquoi c'est des gens dangereux qui le conduisent? Eh non, c'est les miens, il avait été volé. Ah, bah il est devant Louisel alors, Ah, pinaise. Ouais, qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Eh ben nickel, merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, en tout cas. Bon, je vous en prie, y'a pas de soucis, monsieur. Allez, nickel. Allez, bon courage. Salut. Allez, au revoir, monsieur. Est-ce que toi, tu peux me donner des informations qu'on puisse... Monsieur. Ah bah c'est pas ta crêpe, monsieur, c'est pas ta crêpe. Tobias. Non. T'inquiète pas, Roya, je suis là. C'est bon, Roya. Et ils vont arriver, d'accord? Pas de bêtises. Roya, il s'est passé quoi? J'ai pas compris. T'as pas mis la ceinture? Attends, je te prends en photo. C'est un gros scoop. Je vais faire croire que c'est la police qui t'a rentré dedans, Roya. Vas-y, ça fait tes vœux. Vas-y. Hop, ça c'est dans la boîte. Je vais prendre l'ambulance quand elle va arriver. C'est bon, c'est de la poche, Roya. Je sais pas ce qui s'est passé. Il avait pas sa ceinture, il est tombé du véhicule. J'ai peur. Oh merde. Voilà, j'ai peur. Ok, bougez pas. Vous inquiétez pas, on va s'occuper. Putain, bah okay, ouais, bah je m'inquiète un peu, ma belle. Il est congolais, il est fragile. Okay, accroche-toi, Tobias, accroche-toi, Roya. Ça va, il respire, il a envie. Allô, Tichet, s'il vous plaît. Il respire, c'est le jeu de mots, c'est ça. Bien joué, Roya. Ok. Ça va, Iris? Qu'est-ce que t'as? Il respire pas, c'est pour ça. Iris? Ok. T'as peur comme ça, toi. Allez, on se relève doucement. Oh, je crois que j'ai un hérisson dans la gorge. Ouh, pas mal. Ah, j'ai l'impression que t'es irrité. Mais je pense plutôt que t'es irresponsable, regarde. Ah, il y en a qui font des jeux de mots. Je vois pas de qui tu parles. Monsieur, pourquoi vous portez des bas de contention? Iris, plus rien. Parce qu'il a des problèmes de circulation sanguine. Ah,
Ok. Mais t'as bien, ça s'est passé quoi, Troya? Allez sur la route, sur le trottoir. Ouais, je suis chienne et tout. Ouais, sur la route. Attends, elle va vraiment te buter, elle t'aime pas, je crois. Allez sur l'autoroute, mais c'est mieux, hein. Exact. Je savais pas ce qu'il y avait dans mon café, mais. Ça va, monsieur, la tête? Oui, ça va un peu, ça va mieux grâce à vous. Mais ça va, ça va. On passera tout à l'heure pour des examens supplémentaires, hein, si tu veux. Tu te sens mal, hein? Comme tu te sens. Moi, pourquoi pas, en vrai? Hein. Sur un escabeau de 0 à 8, tu te sens combien? 9,5. Oh, ça va. Ça va. Franchement, ça va. Hein. Bonne évaluation de soirée. Non, ouais. Monsieur, plus sérieusement, vous avez d'autres douleurs ou pas? Non, ça va mieux, ça va mieux, ça va. Ah, ouais, tu restes professionnel, des fois. Hein. Toujours, je prenais quelques photos. L'appareil, il va bien, l'appareil, il va bien. Oui, oui, ça va mieux, ça va mieux. Attends, on va tester, on va tester. Oh, attention, merde. On va tester l'appareil. Pas le drone, pas le drone. Attention, bougez pas, bougez pas. Non, mais bougez pas. J'ai pris en photo, j'ai pris le scope, regarde, j'ai pris le scope. Range-le avant qu'il soit trop tard, regarde. Mais. C'est quoi vos petits noms là? Parce que c'est incroyable. Je profite de drone, c'est fini. Moi c'est Victor. Moi c'est Victor. William. Moi c'est Denis. William. Oh merde, attends, je suis compresse sur la plaie là. Attends, bouge pas. Bah non, on va partir, merci beaucoup. Bah attends, non, on va. Les pauvres, oh là là. Purée. Vous lui avez lacéré le bras? Mais non, il est en hyperventilation, t'inquiète, c'est rien. Ah non, il s'est pris les palmes du drone. Mais non, ça va, ça va. Ça se voit, il va bien là. Mais c'est des palmes en plastique, ça coupe pas normalement. Bah, oui. Bah, cette vitesse là, excusez-moi de dire, messieurs, bah non. Bah, je t'excuse, hein, c'est pas grave. Hein. T'as bien dit l'excuse ou pas? On vous a dit tout à l'heure de pas sortir votre drone. Bah, oui, mais en fait, il est tombé, c'est pour ça, on l'a pas fait exprès. Oui, bah, c'est tombé. Lui qui a pas fait exprès. Ah, mais il faut faire plusieurs manips pour le déclencher quand même, il y a une sécurité. Bah, pas vrai, bah non, justement, il y a pas de sécurité, c'est de la camelote chinoise. Vous avez laissé le. Oui, on va le remettre au bureau. Et on va le remettre, ouais. On va le remettre au bureau. Allez, je te fais une petite compresse avec un pansement. Pourquoi il a une cagoule lui? Il s'écrit pour. Dans où ça, le Chicago quoi? Je crois que c'est pas il est fou, lui. Voilà. Il est fou, là. C'est notre pied, lui, il va tous notre pied. Ça va, William? Va. Ah là là là. Joli pansement. Ça va? Ça va mieux, on là. On est vraiment désolé, Roya. Ouais. Mais je crois que c'est ce qui s'est passé. En fait, il avait mis le drone tout à l'heure dans la boîte à gants. Il a ouvert la boîte à gants. Il s'est fait découper comme une salade. Non, compréhensible. T'en penses quoi, toi, Iris, des mecs comme ça? Comme lui ou comme lui? Des mecs irrespectueux, t'en penses quoi? Faut les tuer. C'est plus. Mais c'est normal, tu vas mourir. Moi, je veux tuer tout le monde. Bougez pas, je vais prendre des boîtes cagettes parce que moi, je suis un survivaliste. Qu'est-ce que. Attends, j'ai un couteau, c'est bon. Je vais couper ça vite fait. Non, mais attendez, on va fêter ça. Attendez, on va fêter ça là. Vas-y. Fêter quoi? Je veux juste me mettre. On va fêter ça quand même. William, il est encore en vie. Et maintenant, on va savoir servir d'un drone. C'est super quand même. Allez, barbecue pour tout le monde. Ça fait plaisir. J'ai de la viande des biches. Voilà, j'ai mis de la viande des biches. Attends, vous aimez bien la biche? Ouais. Bon, bah ça va, tranquille alors. C'est parfait. Vous allez vous partager 10 steaks, ça vous va? Ouais, ça va, mais bon. Vous approchez pas trop du Ah, mais lui aussi, mais toi aussi, tu veux mourir aussi, Roya! Mais non, je voulais m'allonger comme un feu de bois dans les pieds! Ouais, mais attention, honnêtement, c'est bon, quoi! Si, copain! Ça va, c'est bon! C'est bon? Y'a mieux! T'as mangé les deux steaks, toi, le halloufa? Non! Elle a tout bouffé! T'as mangé les deux steaks? Quoi? Mais monsieur, vous voulez pas reculer dans votre camion parce qu'il est un peu sur la route? Ouais, non, mais de toute façon, on va y aller là! Vous pouvez éteindre le feu, s'il vous plaît? Attends, on va prendre le cône et on va souffler avec. Ouais, vas-y, brûle. Faut tout souffler. Attends. Ok, on souffle. Je vais mettre du whisky dessus. Non, pas le whisky. Mais non, pas le whisky, ça va pas ou quoi? Bah vas-y, je reviens, j'appelle les pompiers, je reviendrai tout à l'heure pour l'éteindre. Attends, je vais mettre de la douce. Ah ah, vous inquiétez pas, c'est le gilet qui a tout pris, vous inquiétez pas. Ça va, alors, ça va. Bah allez, bon courage, hein, on se tient au courant. Salut. Ça sert à ça d'être un survivaliste, Roya. Tu me donnes des boîtes cagettes, Roya, et je te fais un feu. C'est trop stylé, ça. Ben oui, Roya. Tu sais où est-ce qu'ils sont, Roya, les madrasos, les BFM et tout, pour prendre des photos? Oh, ouais, chaud. Vas-y. Alors, attends, je te passe mon GPS. Vas-y. On commence par les BFM, d'accord? Vas-y. Leur habitacle, donc c'est là-bas où ils vivent, c'est là-bas où la. C'est là-bas où ils font la drogue et tout. Le hein? Les singes viennent de sortir 10 ans. Clic. Et Roya, t'as une maison ou pas? Toi ici, t'as un appartement? Non, j'ai un hangar, c'est tout. Mais Roya, mais t'as cru que t'étais un camion ou quoi? je stocke, mais je dors pas. Mais non, Roya, il faut dormir, Roya, un peu. Pourquoi t'achètes pas une cabane, un truc comme ça? Ou bien une niche, ça coûte pas cher, une niche. Ou bien une cage. Tu veux pas une cage?
Tobias? Oh, c'est pas possible. T'as pas mis ta ceinture? T'as pas mis ta ceinture? T'es mort à quel niveau à peu près? Little Seoul, depuis tout à l'heure, je parle tout seul. Oh là là. Attends, je te vois pas. Attends. Ah, il y a l'ambulance, je vois l'ambulance. Ah, c'est bon, je te vois. Vas-y, occupe-toi-en. Mais c'est pas possible. Mais ça fait 10 minutes que je parle tout seul dans la voiture. Vous êtes avec moi, on va se réveiller. Ah, j'en ai marre. Je me suis posé des questions, pourquoi il répondait pas. Mais oui, je me suis dit, c'est bizarre, il fait timide, quoi. Bah ouais, je me suis dit. Mais Tobias, mais mets la ceinture, quoi, t'as cru que t'étais quoi? Ouh, ça pique. Eh, monsieur, vous allez finir par devoir lui attacher vous-même la ceinture. Mais je vais le kidnapper, c'est pas possible. Bah, allez, bon bonne journée. Ouais, ouais, merci, mettez la sécurité enfant, hein, pensez à la sécurité enfant. Je vais mettre la sécurité bébé, ouais. Allez, bon courage, merci. Bon courage. Roya, t'as jamais le réflexe de la ceinture, tu connais pas. J'avais oublié. Ça fait des années que t'es un être humain, tu t'es pas dit peut-être je vais mettre la ceinture pour les êtres humains. Mais c'est vrai. Moi, je disais, Roya, t'as même pas un appartement, une cabane. Non, j'ai rien du tout. Mais regarde, mais achète une niche, achète une cage, pour ça coûte pas cher. Tu me crois si tu dis que j'ai 10 000 dollars à payer à la police si tu veux acheter une maison? Non, achète une niche, regarde. Non, tout le temps tu veux me faire venir vers une poubelle, poubelle. Bah oui, voilà. Mais non, mais c'est pas grave. Mais regarde, je te fais un câlin là. Réveille-toi, okay, merde. Ça va mieux. C'est pas possible, ça, à chaque fois il chiale. Non, ça va mieux. T'es une crêpe ou là t'es une gaufre? C'est ici, Roya, c'est ici. D'après le GPS, c'est ici. Ok, attends. Je mets mon masque, là, discret. Ah! Ah non, ça c'est toi, pardon. Roya, comme peur. Ça, il pense que je suis un bisounours, Roya. Ah ouais? Je suis un mec gentil. Ça m'a fait peur quand même. Vas-y, attends, je prends des photos, Roya. Vas-y, prends. Attends, c'est le banner Hôtel Spa? Là-bas? Ouais, c'est ça. C'est ça? Vas-y. Oh putain, c'est juste ici. Ah non, c'est ici, là? Ouais, c'est ici, des HLM, là. Il y a des caméras de surveillance et tout, quoi. Ouais, c'est vraiment un réseau de drogue assez conséquent. Assez voluptif, ouais. Vas-y, Roya, viens, mets-toi devant une des voitures, comme ça je te prends en photo avec la plaque, Roya. Vas-y, fais-toi belle. Voilà, nickel. Voilà, nickel. Comme ça. Voilà, hop, voilà. Nickel, voilà, Roya. Vas-y. Voilà, BFM, voilà. Voilà, Roya, c'est dans la page, Roya. Cavale. Cavale, décale. Attends, je cours, je suis en train de courir, quoi, Tla, y'en a, allume. J'allume. Mais la 8ème directe, en arc, 6ème. Hop, vas-y. Un break. Vas-y, voilà. Allez, hop, BFM, c'est fait. Ensuite. C'est fait. Madrazo? Ouais, c'est où ça, c'est quoi? Alors, tiens, je passe le GPS au niveau de la main. Vas-y. Oh, Ah! Oh, c'est pris quoi? J'allais dire que je suis un pilote, Roya, mais en fait pas du tout, Roya. Je sais pas ce qu'on s'est pris, Roya. Attends, j'appelle Monsieur Beniz. Il est jamais disponible, ce con. Tu sais pas réparer les voitures avec un tournevis et une caisse à outils, toi? Si, y'a moyen. Vas-y, t'as une caisse à outils? Non, elle est dans mon gars. Appelle les LSHD, demande-leur s'ils ont des caisses à outils. Vas-y. Mais peut-être ils vont dire où est-ce qu'ils l'ont acheté. Peut-être, hein, c'est possible. Ouais, Roya. Allo, LSHD? Ouais, et dis à madame Renouna de m'appeler. Oui, c'est encore nous. J'ai une question, est-ce que vous vendez des caisses à outils? Non, ok, d'accord, ça marche. Mais où est-ce qu'on peut en acheter alors? Et où est-ce qu'on peut en acheter alors? Irrésistible, elle vend des caisses à outils. Je jure. Et elle est où? Attends, non, on se donne rendez-vous, Roya, pas comme okay. Ça, t'es fou, quoi. Rendez-vous tout en haut du parking rouge dans 10 minutes. 5 minutes. Roya, c'est là? Ouais, c'est là. Et ça filtre. Vas-y. Cambre-toi, c'est discret. Comme ça. Vas-y, voilà. Je te suis, Roya. Voilà, viens. Vas-y, viens. Hop là. Vas-y, coupe ça. Vas-y. Roya, c'est une propriété privée, non? Oh, il y a des véhicules. Oh, voilà. Il y a des véhicules. Faut-toi. Attends, dans le buisson. Buisson. Vas-y. Couche-toi dans le buisson. Okay. Roya, je prends des photos. Ouais. Ah ouais? Regarde, je prends des photos, Roya. Ah, je te vois. Là, j'ai pris le véhicule, Roya. Nice. Vas-y, toi aussi, prends le véhicule. On se casse. Attends. Oh. Oui. Cache-toi. Oh.
pas, vous me prenez pour un con, bande de fils de pute. Oh, sortez vite avant que je vous arrache vos merdes. Désolé, pardon, pardon, désolé. On est journaliste. Mais attends, mais t'as un putain de Kev sur toi. Regarde, c'est marqué presse, On travaille pour Louisiane News. Vous inquiétez pas, monsieur. Je suis pas de journaliste, attends, mais c'est quoi ça? Mais regarde, il y a la camionnette en bas du Weasel si tu veux. J'ai ma carte, Venez. Vas-y, montre. Oh là! On est journaliste, vous inquiétez pas, on va pas mourir, Je panique! En fait, je vous explique, monsieur. Je vous explique, monsieur. Vous me faites stresser là. En fait. Pas grave. Je suis revenu en ville récemment, d'accord? Ouais. Et puis, j'ai voulu me réintégrer parce qu'à la base, moi, je suis un gros tigre. Tu vois, ouais, et donc là je suis en stage d'insémination au Weasel et il m'a dit ramène-moi le maximum d'informations de ce qui se passe en ville. Donc là j'ai pris en photo. C'est mérité. Non, pardon. C'est bon. Du coup, là on a pris en photo les BFM, où est-ce qu'ils habitent. Les BFM, c'est quoi ça? Les BFM TV. Je sais pas, c'est des mecs qui font du trafic. BFM TV. Ouais, c'est des mecs. BMF, vous dire? Oui, voilà, BMF. Ah, écoute, tu veux une bonne info ou pas? Ben, bien sûr, oui. Attends. Tu vas dire à toute la ville qu'on leur a pété le cul, c'est bon? Vas-y, ok. Ouais, non, attends, range le cul, vas-y. Non, c'est des photos, non, mais c'est juste toi, de toute façon, t'es masqué, c'est pas grave, on va pas te reconnaître. Ouais, tu me prends en photo. Vas-y, viens, c'était quoi? Viens. Mathieu, filme. Vas-y. Tu sais quoi, tu vas te dire en direct? Tu me dis quand tu danses le direct, du coup, on va te poser la question, en fait, les BFM. Qu'est-ce que vous leur avez fait? Qu'est-ce que vous pensez des... Alors, Jaco, tu m'autorises, je lâche les... Ça va être en direct, hein? Les MFM. Vas-y. En direct devant toute la ville. Ça marche, vas-y. Vas-y. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, voilà. Nous sommes à l'antenne directement avec Ahmad Razou qui avoue qu'il aime les hommes. Monsieur, quel est votre ressenti? Par contre, il a jamais dit ça. Je supprime. Comment ça? Attends, comment ça? J'aime les hommes, on est où là-haut? Mais non! Au contraire, il a dit qu'il aime pas les autres, il a les BFM. Ah, voilà. Pardon. Tu reprends. Je n'aime pas les BFM. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec les BFM du coup, monsieur? Dites-nous. Eh bien, sincèrement, on pourrait appeler ça une éradication. Voilà, voir une déflagration, tu trouves le mot que tu veux. Bref, on leur a pété le cul, et voilà, c'est véridique, dans la rue, ça les a allumés. Ils ont voulu faire les grosses couilles, et pour le moment, on les a clairement enterrés, et ils sont pas prêts de sortir de leur trou actuellement, donc force à eux. Du coup, vous êtes en guerre avec eux, directement, quoi, c'est ça? On peut appeler ça comme tel, oui, on peut appeler ça comme tel. D'accord. Alors moi, monsieur Madrazo, j'aurais juste quelques questions à vous poser. Ouais. Pour quelles raisons, justement, quelle est la nature de ce conflit, en fait, tout simplement? Le business, simplement. D'accord. Vous savez, les sous, ils viennent pas tout seuls, faut bien les générer. Et par moment, on a les mêmes, les mêmes terrains, les mêmes moyens pour les générer, sauf qu'on peut pas vraiment laisser Todos avoir le même terrain. Donc il faut savoir s'imposer au bon moment, et ça a été fait au niveau des BMF qui ont tenté de s'imposer dans nos business. D'accord. Simplement. Et si vous pouvez résumer votre business en quelques mots sans trop vous étendre. On va pas vraiment lâcher ce genre de non. D'accord. Dommage, non. Ok, d'accord. Super, d'accord. Bah en tout cas, merci d'avoir répondu à ces questions-là. Et on vous comment on dit bonne chance en espagnol? Bonne chance. Bah bonne chance à vous alors. Voilà. Bonne chance. Et moi, vous mettez la voix un peu, vous savez, la voix grave, là, la voix trafiquée. Ah oui, l'authentique. Ouais, voilà, vous mettez ça. Et vous floutez un peu le... Même si je suis masqué, vous floutez, c'est bon. Ça fait stylé, on va tout flouter, on va tout faire. Vas-y, nickel. Bah merci, nickel, monsieur, en tout cas. Carré. Merci beaucoup. T'inquiète. Désolé pour le dérangement. Moi, c'est Khanez. Khanez, incroyable. Ouais. Enchanté, Khanez. Enchanté. Okay. Et vous, c'est 1 et 2 Moi, c'est Satché, moi. Satché. Enchanté, Satché. Enchanté. Et lui, c'est Vert. Vert Satché. Je suis drôle. Allez, les mecs, salut, allez, bon courage. Pas mal, celle-là, t'es pas mal. Au revoir, Versace. Allez, bonsoir, vous êtes News, bonjour. Un employé, vous? Oui, très bien. Vous êtes où? Vas-y, go, on est un client. Sérieux? Vous êtes News? Vous savez, il va s'habiller pour commencer. Oh, la voiture, regarde. Prends photo. Oh, j'avoue, photo. Y'a aucune rire. Putain, c'est grave quand même.
Elle est vraiment super propre, la voiture. Ouais, très très propre. En très bon état. C'est qui, lui? Attends, c'est une peinture ou c'est un être humain, croyant? C'est grave, un portrait. Reste professionnel, professionnel. Ouais. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Ça va, tranquillo. Oui. Bon, je vous ai appelé. Ce serait pour un événement qu'on va faire vendredi. On a fait une affiche, on aimerait que vous la publiez. Bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce que vous avez déjà parlé à un de mes collègues ou pas du tout encore? Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, d'accord. Alors, j'aimerais savoir en quoi consiste cet événement, s'il vous plaît. Alors, la Marabunta, nous aimerions faire un... C'est un gang, c'est El Burro. Hein? C'est le Barrio, en fait. C'est un gang? Un barrio, c'est un gang. Ah, d'accord. Oh, bah, attendez. Bah, venez, on va discuter, monsieur. Attendez, quand même, un peu de respect. Venez, monsieur. Pas par ça, on va pas faire ça à l'accueil. J'arrive, hein, je vais juste prendre ma tenue, monsieur, j'arrive. Tobias, tu assois, monsieur, tu proposes un petit café, un thé, un grga, un msemen. J'arrive. Donc, vous êtes des gangs, des marabunta, d'accord. Et donc, l'événement, c'est par rapport à quoi? Donc, en gros, nous avons vu au Maze Bank Arena. Il y a un petit endroit assez cool qui a ouvert. Et nous avons remarqué que personne l'utilisait, ce petit endroit. Et donc, en gros, nous aimerions faire un événement là-bas. En organisant des combats, bien sûr, légaux, sous deux catégories. Il y aura deux catégories. D'accord. Il y aura une catégorie 1v1 et une catégorie en 3v3. Ok, d'accord. On a fait une petite affiche et on aimerait un peu animer la ville, quoi. Ah, vous parlez de l'enclos, etc., comme l'octogone. Si, le CFC. Ah, oui, bah attendez, bah montez avec nous, comme ça on va faire des photos justement pour l'événement. Venez. Ça va être plus simple. Oh, elle est grave stylée, ta voiture, Roya. Vas-y, on la prend, mais il y en a un, il va devoir être dans le coffre. Ouais, c'est Tobias, il va dans le coffre, t'inquiète pas, Roya. Ouais, c'est toujours moins de façon. Et ça gagne bien d'être un gong, hein. Si, c'est vrai. Oh, c'est pas la mienne, mais tranquillo. C'est qui, Hermano? C'est un mec? Ouais, c'est mon frère. Il s'appelle Hermano? Oh, stylé. Hermano, c'est déjà frère en espagnol, señor. Ah, d'accord, ok. Si, frère, d'accord, mais vous venez de quel pays, en fait, vous? Je viens du Salvador. Oh, c'est stylé ces pays! Tu connais Henri Salvador? J'adore ses musiques! Non, je connais pas, mais ça doit être bien. Si tu dans la jungle, terrible jungle! Ah, c'est lui qui chante ça! Ouais, il a fait des reprises, ouais. Ah, ouais, carrément! C'est bien, bien! Quand je rentrerai à la caserne, je vais écouter. Oh Marie, si tu savais! Ah, ça, je connais! Tu le mal que tu m'as fait! Ouais, c'est ça? Si! Après, c'est quoi? Oh Marie! Si je pouvais dans tes bras ni me reposer. Ça, c'est Johnny Salvador, ça. Ah, ça, c'est Johnny Salvador. Eh oui, Joya. Ah ouais, quand même, on a des talents, Salvador. La droite KFC, là, c'est là. Ouais, ouais. C'est stylé de fou. Et c'est de la frappe, c'est une rougeur. Ouais, bah oui, c'est de la frappe. Je kiffe cet endroit. Ok. Toi, t'es fort en bagarre, toi? Moi, ça va. Vas-y, bah tu vas te taper contre Tobias, comme ça, on fera l'affiche. Ah, oh, vas-y, Tobias, on va taper. Ah, voilà, c'est moi qui joue au combat. Mais oui, Roya, t'es stagiaire, moi je suis chef stagiaire. Alors là. Sa mère, je l'ai pas vu venir, c'est là. Alors là. Ouais, je voulais m'entraîner, me chauffer un peu. Perche. Voilà, bien. Tiens-moi comment je roule mon cul, tiens-moi. Ouais, vas-y, ça. Mais regarde, c'est pas mon cul, ouais, j'étais bizarre, toi, comme mec. Ah, pardon, mais tu me dis, regarde. En flagrant délit, seigneur. Ah, ouais, t'es chelou, toi. Ça, c'est KFC, ça. C'est CFC. CFC, waouh la vache! Regardez, McGregor, Khabib, Junior Magomedov. Regarde, Mathieu, je suis là. Putain! Eh ouais, c'est moi. Eh, j'avoue, Tobias! Oh putain, j'ai plus envie de me battre contre toi, Tobias, en fait. McGregor, Michael Chandler. Vas-y, c'est bon, j'ai pris la photo. Du coup, Tobias, tu viens de taper? Tobias, il va venir faire une démonstration. Vas-y, go, je vais l'arracher, vas-y. Voilà, je fais l'arbitre, hein, Mesdames et messieurs, ici le main event. Ouais. À ma gauche. Tu t'appelles comment déjà? Non, Mono. Hein? Mono. Et Bruno. À ma gauche. 14 combats, 0 victoire. À ma droite. Un poulet avec des petites pattes. Il a gagné tous ses combats contre des poules, Tobias. Ouais, messieurs, approchez de moi s'il vous plaît au milieu de l'octogone. Suivez mes instructions, protégez-vous en cas de contact Covid. N'hésitez pas à le test PCR. Est-ce que vous avez compris mes suggestions? Très bien. Reculez au niveau de la cage s'il vous plaît. Et à 3, ça sera la bagarre. Et 1, et 2, et 3. Ding 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 ding. Hop là! Voilà!
Tobias, ah, Tobias qui encaisse, oulala, Tobias. Ouh, l'esquive, oh là là, l'esquive de Tobias. Bruno qui esquive, ouh là là. Oui, ah. Bien joué, Tobias. Bien joué, Royal. Goal. Pas là, 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 là. Attends, la petite photo, Royal, attends. Vas-y. Hop, voilà. Nickel, bien joué. Ça, c'est beau, ça. Attendez, je vous prends tous les deux, les gars. Par KO. Nickel. Ça sera l'affiche. Attendez, moi, je suis un influenceur, ce Zoom. Attendez. Hein Royal, t'es un marabout, toi, qu'est-ce qu'il raconte? Non, je suis influenceur. Il faut suivre. À chaque fois que je soulève des vagos, je les publie, je les affiche. Vas-y, et voilà. Zoup, vas-y. C'est parti. Vous tapez mono avec deux O à la fin et vous allez voir, je suis un influenceur. Bah alors les vagos, on fait quoi? Bah tu discutes avec eux quoi. Ouah, t'as des calaches. Mais t'es un malade. Et ouais, c'est vrai. Bah alors les vagos, on vous attend. Quoi? Ah ouais, t'es marre wesh. T'es avec la femme? Ah ouais, t'es marre. Sur la photo, regarde tout en bas. T'es avec les otages, regarde, c'était moi. Oh, Tobias. Oh, comment t'es trop beau. Waouh, oh la cabronne, j'y suis posé dans la cahier. Tu te rappelles, c'était la bijouterie qu'on a fait des freestyles ouais, et tout. Rappelle. Ouais, vous avez une longue histoire. Bon, Mono, ouais. Tu peux nous déposer s'il te plaît au Weasel parce qu'on a une grosse transaction à faire. Et je vais en parler à mon boss de tout ça, d'accord? Comme ça, on va faire l'affiche. Oui, et vous voulez, je vous en. Mais l'affiche, on en a déjà fait une. Ah bah c'est bon alors, tranquille. Non. Trop tard, Roya. T'arrives en retard. Allez dans le coffre. Allez monte dans le coffre. Allez rentre dans le coffre. Mais. Allez rentre dans le coffre. Vas-y, roule, t'inquiète. Je suis pas sûr, Roya. T'inquiète. Vas-y, je le tiens. T'inquiète. Après, s'il tombe, c'est son problème. Hein. Ah. Bon, mais c'est son problème du coup. Hein. Pa. Aïe. Non. Ça arrive, je c'est pas grave. Les hommes, aïe. Tu passeras chez MC Binis, t'inquiète. Si. Je vais aller chez Djibril, il va marcher pas. Allez. Vas-y, merci Mono. Voilà, moi je pense que t'as pas trop tapé Tobias, mais vas-y tranquille. Vas-y, salut mon pote, à bientôt. Vas-y, salut. Oh, ça passe. Oh. Ça passe là. C'est passé. T'as pas. Vous l'avez les démons. Ils sont là, frère. Non, masque. J'en ai, t'inquiète. Un vrai masque. Oui, vas-y. Démarche sûre, regarde, démarche sûre. Marche, vas-y. Confiant, démarche confiante. Voilà. Alors, okay. Monsieur, vous avez la marchandise ou pas? Je l'ai. Ah, ok. Vous avez l'argent? Oui. Tu veux combien? T'as combien? On va faire plus simple. J'ai 1700. Ok, va pour 1700. Que? Quoi? Va pour c'est 50. Cher un peu quand même. Combien? 50. $50? Vas-y. Ouais. Vas-y. Il nous a mis une douille là. Il est fini mon affaire. Tiens, parfait, vas-y. Passe pas la marchandise, Roya. Ouais. Oh, tiens. Ta petite mallette. Vas-y, Tiger. A bientôt. Ok. A bientôt. Au revoir. Appelle-moi la chatte. Au revoir. Hein? Appelle-moi la chatte. Appelle-moi les gang. Roya, tu sais réparer une voiture ou pas? Ouais, attends, je vais soulever le moteur, attends. Qu'est-ce que la chatte? Un peu de pudeur, un peu de chemche. Vas-y. Ça coule. C'est bon, Roya, je suis en train de réparer, Roya! Voilà, ah ouais, je répare! Ouh! Hop là! Ah, mets-toi, wesh! Vas-y, Roya, bah c'est parfait alors! Eh, on a pris. On a pris plein des informations en vrai, hein. Attends, je suis en train d'envoyer toutes les photos, croyant. Fuente Blanca. Voilà, Tobias a dû coucher avec un mara pour avoir des infos croustillantes. Et en fait, la photo, Roya, c'est toi, t'es en caleçon, dans le ring, et lui, en fait, il est par terre, il se relève, et il est torse nu, Roya. Et genre, grosse coupe de ouf. Oui, vas-y, oui. Vas-y, mon frère, tant qu'on y est, de toute façon. Vas-y, mais, Tobias a mangé le chips d'un policier aussi, après. Tobias, Roya, il a fait quoi? Il m'a dit à très bientôt, bisounours. J'ai dit salut, petite chatte. Zama, je reste pro, t'as vu? Roya, on est des pros, on n'est pas des pros? Oui. Là, voilà, nickel. Tout ça non, pour ça. La sortie, c'est bon, Roya. Alhamdulillah. Du coup, tout ce qu'on a fait pour la boîte à outils, Roya. Super, tout ça pour. Attention, le moment des véridictes. Voilà, ah bah c'est pas, voilà bah 250 d'équilibre, Roya. Attends, par contre, l'essence. Bah, nickel, là, ils vont plus, savoir. Là il n'y a plus d'essence, Roya.
Je vais remettre juste un peu d'essence, comme ça ils savent pas que c'est une horreur. Roya, merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette aventure, Roya. Et on se dit, Roya, à très bientôt.